C'est bon. Bonjour. Bonjour. Oui, présentez-vous. Je me nomme Mohamed Sako, membre du quartier 25-4 de quartier Xambaya. Oui. Alors, nous sommes aujourd'hui dimanche le 3 octobre 2021. Ouais. Concrètement, cette activité civilo-militaire, comment ça se porte à Xambaya? Elle se porte très bien. Et avant même l'avènement et les instructions du CNEDR, nous avons déjà entrepris des actions d'investissement ici au niveau de la population et au niveau de la route et l'assainissement de nos caniveaux. Et j'avoue que vraiment, il y a une parfaite harmonie entre au niveau de la population de Xambaya et les jeunes sont vraiment mobilisés pour ce travail-là. Et il y a déjà plusieurs dimanches, nous sommes en train de curer les caniveaux et refaire notre route. Ça, vous n'êtes pas sans savoir que dans les temps passés, cette route de Xambaya, avant que la route nationale de l'autre côté, le pont, soit libéré, c'était la déviation. Donc tous les véhicules venant de Conakry ou de l'intérieur passaient par déviation dans cette route de Xambaya. Et Dieu merci, aujourd'hui, nous avons beaucoup travaillé. Et à chaque fois que nous travaillons, puisque c'est des cotisations, à partir des cotisations, les quêtes que nous faisons au niveau des mosquées, au niveau des lieux de baptême et d'autres cérémonies, c'est cet argent que nous utilisons pour commander des chargements de terre et de latérite et de blocs pour refaire notre route. Et donc, à l'avènement du CNDR, donc nous avons mobilisé davantage les jeunes. Et ce jour, à l'occasion de la fête de l'indépendance, nous avons réuni les jeunes pour dire qu'il fallait qu'on pose des actes vraiment d'assainissement, de réfection de nos travaux et des caniveaux et autres. Donc nous sommes dans cet esprit-là. Et voyez-vous, déjà, tout au long de la route, les jeunes sont mobilisés et même les passants, tout le monde apprécie vraiment le travail qui est en train d'être abattu en ce moment. Et c'est cette action-là que nous poursuivons. Donc nous sommes vraiment, c'est avec beaucoup de fierté que nous constatons que nous avons apporté une certaine amélioration sur cette voie, cette route depuis le Goudron jusqu'au terrain Xambaya. Et même les routes concernant les secteurs, les chefs secteurs se sont organisés à leur tour pour travailler sur ces routes-là et faire des ouvertures. Donc nous sommes tous dans cet esprit-là. Et je crois que vraiment toute la population aujourd'hui adhère à cet esprit-là. Je vous remercie. Ouais. On va essayer de progresser. Ouais. Un responsable de la jeunesse aussi peut parler. Un responsable de la jeunesse. Nathan lui va parler en langue. Il est là. 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 Il est
be wiyande fop yo yaltu golla laawi di labbina saarinde fop depuis hanki ko dum men jogi ara no weltare ko no maran don fi gouverneur Kindia o kanye préfet Kindia ko kala ko be faala ko be yamiri men men wada weltare ko ha don kala ko be yamiri men ko fottinta jama men wada e hore welo welo Merci. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. Oui, présente-toi. Je me nomme Abdoumanoué Bouturé, membre de la jeunesse de Sambaya, et en même temps vice-président de mon secteur. Et vous avez vu ce que nous avions fait ici aujourd'hui, sur notre route nationale, dans notre quartier. Il y a fort longtemps, ils ont fait le sébassement là, mais il n'a pas été victimé pour le moment. Nous demandons le gouvernement de nous aider pour que la route là soit bituminée et pour tout le monde. Parce que je pense bien que si cette route là a été goudronnée, en tout cas, surtout je suis taximètre aussi et syndicat de la ville. Des fois, moi, quand je fais les taxis moto ici, le matin dès le soir, ça me donne de la fatigue sur le corps. Et c'est le quartier le plus peuplé, le plus grand à Kindia. Je pense bien qu'il mérite d'être goudronné cette fois-ci. Et nous demandons, on remercie monsieur le préfet et monsieur le gouverneur. On vous demande d'aide, de venir faire un bitement pour nous sur cette route-là. Merci, c'est aussi. On diaram. On diaram. Qu'on nous marquette là. La mana na bari haray ko non tawa e ka sasbe ben si ka moko ba ben ka quartier do ko menen tawa moko ba be do ben nam on jaraama golle de ngino gollade no laba ha ko dum do moddini jama on jaraama barka me de welti okay. Me de welti oui vous désirez responsable de la jeunesse oui, je suis là ou ben konde là bon toi tu parles maninka Vraiment, nous ne sommes pas débat tous les puis il va y avoir un jama de boni, tout là-bas, c'est tout là-bas, il va y avoir un jama de boni, quand on a sur la barre. Donc vraiment, si on a des crimpés, on a des gens qui ont des gens qui ont des Donc, on a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont Parce que Jama Siamande, Andisa Bola, puis quartier de Kindia, même Jama Kassia, c'est Sambayado. Donc vraiment, allez Alpanka Blanca. Allez Alpanka Blanca, quand ma demain, Alani Annabila Bula, Sana, Sila Nibon Sulanya Blanca. Akatoa Ka, Allahu Madi, Sana Ramadan Sali. Excusez-moi, vous pouvez parler à Souma. Ouais. À ce sujet, quelqu'un n'a pas parlé Non. Non, je ne parle pas. Je parle en français. Voilà. Matériel mundu wonata wo mobiliser ala ko ranno di walira baabe yi walira ba fe facing ena na xanna volonté nara mo na xam xor ma autorité ma parce que na xam volonté lui rek yo ko fa xali ne wali sen réponse am bi sago te wal fa yira ba ko nga fa xara ko mo autorité ma xel man sama matériel ala wa ko tin xabe kon ka gbegbe na mbeko kon ak gbegbe tiri na fera parce que pel manquer keri manquer c'est gbegbe manquer ana dangina ra ben da fe pa ma be ko ben des sans mobile
Je suis un peu plus de temps.